Meghan Markle à peine reconnaissable, cette photo à laquelle on ne s'attendait pas. À l'occasion de la fête de Thanksgiving, Meghan Markle a été photographiée dans une tenue peu conventionnelle. Guide complet: perdre du poids, problème de poids, gélule, minceur, autobronzante, cure, perte de poids, perdre du ventre, billet d'avion pas cher. Le 24 novembre 2022, Meghan Markle a célébré la fête de Thanksgiving. À cette occasion, une photo peu conventionnelle a été publiée sur le site de la Fondation Archewell. Meghan Markle apparaît avec une casquette et un masque. Le 24 novembre dernier, les Américains ont célébré Thanksgiving, une fête très importante outre-Atlantique. Ainsi, Meghan Markle a tenu elle aussi à célébrer cette date. Mais voilà qu'une photo publiée sur le site de la Fondation Archewell a quelque peu retenu l'attention des fans des Sussex. Et pour cause, elle montre l'épouse du prince Harry dans une tenue assez étonnante. Casquette de baseball vissée sur la tête et portant un masque, elle est en train de préparer une tarte à la citrouille. Plus tôt cette semaine, l'équipe de la Fondation Archewell a aidé à préparer un déjeuner de Thanksgiving pour plus de 300 résidents du Downtown Women's Center, DWC, à Los Angeles, est-il écrit sur le site. En effet, lors de cette fête nationale, les Américains aident ceux qui sont dans le besoin. DWC fournit un large éventail de ressources pour réduire les obstacles et mettre fin à l'inhérence pour toutes les femmes. Y compris les femmes vétérans et leurs familles, les femmes ayant de graves problèmes de santé physique et mentale et les survivantes de violences domestiques. Sur le site de la Fondation, il est bien mentionné que l'aide à son prochain fait partie de leur but. L'objectif principal de la Fondation Archewell est d'élever et d'unir les communautés, locales et mondiales, en ligne et hors ligne, un acte de compassion à la fois. Thanksgiving, une journée très importante pour Meghan Markle. Ainsi, en cuisinant pour cette association, Meghan Markle montre qu'elle est proche de tous les Américains et qu'elle vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. Pour la duchesse de Sussex, la fête de Thanksgiving est importante. Malgré le contraste de mes deux mondes en grandissant, il y avait un point commun puissant. Mes deux parents venaient de peu, alors ils ont fait le choix de donner beaucoup, acheter des dindes pour les refuges pour sans-abri à Thanksgiving. Livrer des repas aux patients dans soins palliatifs, en donnant la monnaie de rechange dans leur poche à ceux qui le demandent et en accomplissant des actes de grâce discrets. Que ce soit un câlin, un sourire ou une tape dans le dos pour montrer à ceux qui en ont besoin qu'il irait bien. Le prince Harry et Meghan Markle, très engagés. Ce n'est pas la première fois que le couple vient en aide aux personnes dans le besoin. En effet, le vendredi 16 juillet 2021, le prince Harry et Meghan Markle venaient en aide à l'association Harvest Home à Los Angeles. Le but de cette organisation est d'aider les femmes enceintes sans abri. Ainsi, le couple a offert des tonnes de couches pour les nourrissons. Des palettes et des palettes de couches. Nous sommes très reconnaissants. Ces couches sont récemment arrivées dans notre nouvelle maison Pico Robertson et nous ne pourrions être plus reconnaissants envers la Fondation Archewell.
le duc et la duchesse de Sussex, l'entreprise Procter Gamble et la marque Pampers pour l'incroyable don dans le cadre de leur campagne Million à CTS of Love. Merci de nous aider à faire en sorte que nos mamans et nos bébés aient tout ce dont ils ont besoin dans nos foyers. Peut-on lire en légende du poste ?